Salut tout le monde, c'est Doyo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des tutos Command Block que j'ai débuté sur la chaîne. Dans cette vidéo je vous montre comment avoir un arc explosif sur Minecraft Bedrock Edition. Alors si le concept de la vidéo vous semble bon, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, ça fait énormément plaisir et si vous êtes prêts, on y va. Alors dans quelques instants je vais vous montrer comment faire ça avec un arc, hop, voilà. Comme ceci, ça fait une longue chaîne de TNT et ça explose. Alors faites attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de lag. Donc je vais vous montrer la commande pour faire ça rapidement. C'est vraiment très facile et très simple. Tout d'abord il va vous falloir un command block. Bon, la commande pour l'obtenir, slash give arrobas p command block. Et juste après vous allez prendre le command block, vous allez le mettre ici, type de command block, tick de bloc. Vous allez le mettre en répétition. Condition, vous allez mettre inconditionnel. Et redstone, vous allez mettre toujours actif. Ensuite voici la commande. Alors je vais vous faire un petit zoom, la commande est le slash execute @e avec un crochet type égale arrow, bon arrow ça signifie flèche, ouais je pense que tout le monde le sait. Alors on va fermer l'accolade et on va mettre 3 vagues, 1, 2, 3, ensuite vous allez mettre detect, 2 vagues avec moins 1, et vous allez mettre une vague juste à côté et juste après ça vous allez mettre R0 surnom TNT. Et juste après ça, vous allez cliquer sur le petit plus et je pense que là, ça sera bon. Vous aurez juste à prendre un arc et là, vous allez bonder l'arc et hop, automatiquement, vous aurez ça. Par contre, ça aussi, ça peut être très bien pour les trolls avec vos potes. Hop. Et par contre, ça a fait un peu laguer, je vous préviens. Alors, c'est tout pour l'épisode 3 des tutos Command Block sur Minecraft Bedrock Edition. Alors, si t'aimes bien cette série et que tu veux pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi, active la cloche pour être averti des prochaines vidéos. N'oublie pas de liker la vidéo, ça fait énormément plaisir. Et aussi, dis-moi en commentaire si ça a fonctionné, quand tu as essayé, bien sûr, dans ton monde Minecraft. Alors, salut tout le monde, c'était Doyo. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.